Bonjour tout le monde, c'est Alain, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va classer mon top 5 des fragrances à adopter pour cet automne. J'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite la vidéo. Du coup, nous allons maintenant attaquer un top 5 des fragrances à adopter pour l'automne. En tout cas, c'est un classement que j'ai effectué qui me plaît énormément. Du coup, je vous propose de vous abonner pour être au courant de l'actualité parfumée. L'automne, moi, ça m'évoque la fin des vacances. Donc, du coup, on a toujours un pied en vacances et un autre dans la vie active, que ça peut être à l'école ou bien au boulot. Et donc, du coup, parfois, on peut avoir cette petite nostalgie et certains parfums peuvent nous aider vraiment à remémorer un peu ces petits souvenirs de vacances et aussi à nous réveiller du travail. Du coup, en cinquième position, je vous ai placé l'homme idéal cool de chez Guerlain. C'est un boisé frais qui va se distinguer à travers sa menthe et son amande. C'est un parfum très remarquable, je trouve qu'il porte très bien son nom. Il est vraiment cool, relax. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de se dire « Ok, c'est la rentrée, mais je suis vraiment en mode relax. » Et je ne vais pas me prendre la tête parce que moi, je suis encore dans mon mood des vacances. Mais en même temps, j'affiche un certain charisme et une certaine assurance de moi qui va me distinguer. C'est un parfum aussi très chic et très luxurieux. Du coup, que je vous recommande et que je vous ai mis en cinquième position. En quatrième position, je vous ai placé le Y de chez Yves Saint Laurent. Il va se distinguer à travers ses notes de fougère, c'est-à-dire en notes, nous allons retrouver de la sauge, nous allons retrouver également du géranium et aussi de la fève de tonka. C'est vraiment le parfum qui se veut un peu discret, mais en même temps remarquable. Qui va se dire, je suis un séducteur de la rentrée. Vraiment, si maintenant vous cherchez à être le bad boy et le playboy à la fois de la rentrée, je vous conseille, je vous recommande vraiment ce parfum. Et si vous voulez quelque chose de beaucoup plus fort, vous avez également la nouvelle édition qui est sortie en autre parfum que je vous recommande également et qui va vraiment vous mettre un sillage assez profond et en même temps très doux à la fois. Il est très sophistiqué et en même temps il m'évoque cette chaleur et en même temps cette fraîcheur qu'on a vraiment entre les deux, entre l'été et l'automne. Enfin bon, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. En troisième position, je vous ai placé la nouveauté de chez Jean-Paul Gaultier qui est Le Beau. C'est le parfum qui va laisser un sillage puissant, ultra sexy et charismatique. Vraiment, c'est un parfum qui va se distinguer à travers ses notes de tête de bergamote. Au cœur, nous allons retrouver du bois de coco. Oui, oui, du bois de coco, les gars. Ça va vraiment nous mettre un peu cette chaleur et en même temps cette masculinité très virile. Et nous allons retrouver en note de fond de la fève de tonka. C'est un parfum qui va nous faire chambouler le sens parce qu'il est à la fois frais, estival et automnal. Du coup, c'est vraiment le parfum entre deux si maintenant vous avez un pied en été et le second en automne. En deuxième position, je vous ai placé le K de chez Dolce & Gabbana. C'est une nouveauté qui est sortie récemment, qui est une senteur boisée méditerranéenne. Il va se distinguer en notes de tête à travers son citron, son orange ainsi que sa baie de genévrier. En notes de cœur, nous allons retrouver également du citron, de la sauge, nous allons retrouver également du géranium ainsi que du lavandin. Et en fond, nous allons retrouver du bois de cèdre, du vétiver ainsi que du patchouli. C'est un parfum qui m'évoque énormément la Méditerranée, la Toscane, qui m'évoque en même temps cette fraîcheur d'été, mais qui est également une nouveauté de chez Dolce & Gabbana, qui se veut très royal, très remarquable. Moi, j'imagine bien vraiment le playboy un peu de la section, la personne qui fait chavirer tout le monde. Vraiment, si vous voulez un parfum audacieux et en même temps remarquable, c'est celui-là que je vous conseille. Mais en même temps, il est très estival, il est frais. Alors, je l'imagine bien avec un beau bronzage. Vraiment, ce parfum va vraiment vous envoûter et laisser un beau sillage. Après, c'est une autre toilette, donc du coup il va pas durer plus longtemps qu'une autre parfum. Moi j'attends avec impatience la sortie de l'autre parfum du K de chez Dolce & Gabbana. En tout cas c'est vraiment le genre de produit que je vous conseille. Enfin, depuis le temps que je l'attendais, parce que Dior a sorti le nouveau Sauvage en eau de parfum. Il était vraiment temps parce que j'apprécie les eaux de toilette, mais j'ai une grosse préférence pour les eaux de parfum parce qu'il va laisser un plus grand sillage et surtout très long. Nous allons notamment retrouver de la bergamote ainsi que de la vanille absolue. Ils ont visiter l'eau de toilette pour le faire en parfum. Il est beaucoup plus intense et plus persévérant. Il va vraiment laisser cette fraîcheur, cette certaine liberté, tout en ayant un certain pied en même temps dans le monde. Il est très charismatique et en même temps frais, aérien. C'est comme une boule de neige qui arrive devant vous, mais une boule de neige mentholée, toute fraîche, avec un beau sourire radieux et qui est à la fois charismatique et surprenant. C'est une belle nouveauté, vraiment, que je vous conseille si maintenant vous êtes jeune, père, si vous avez
des idées toutes fraîches pour la rentrée parce que vous avez renouvelé plein de choses, que vous avez vraiment l'esprit serein en même temps. Moi, je le trouve cool, ce parfum est vraiment audacieux et à la fois élégant. Et c'était tout pour mon top des parfums pour cet automne. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à vous à me mentionner en commentaire votre top 5 des fragrances pour cet automne ou pour la rentrée. Ça peut toujours être intéressant de vous lire et ça peut me donner de petites inspirations pour les prochaines chroniques ou mon prochain top. Bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à liker et également à vous abonner en activant la cloche de notification. C'était Alain et je vous souhaite une agréable semaine parfumée.